monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien, on se retrouve pour l'avant-dernière enveloppe. Eh oui, déjà le 23. J'ai pas vu passer le mois, c'est fou. C'est dingue. Quand je pense qu'il y a eu des fois où, quand on était jeune, on s'ennuyait, on trouvait que le temps il passait pas assez vite, etc. Mon Dieu, maintenant, oh là 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 là, la vitesse c'est vraiment affolant. Alors du coup, allons découvrir ce qu'il y a dans l'enveloppe 23. Ça a l'air plus grand. Peut-être vais-je faire waouh, peut-être. En tout cas, c'est par rapport à toutes les autres enveloppes. À part celle des papiers. Hein. Disons, quand on touche, c'est dur et c'est grand. Et depuis le début, j'ai hâte de voir ce qu'il y a dedans. Alors. Ah, d'accord. Remarquez, c'est très joli, j'adore. Ceci dit, j'adore. J'adore, j'adore. Et c'est des petites perles argent. J'en ai pas. Je suis en train de réfléchir. En argent comme ça, je crois pas que j'en ai des adhésifs. Je vais y arriver. Couleur or. Oui, des dorés. Des dorés. Mais, ouais, argenté, non. J'aime bien. Je peux faire un waouh parce que j'aime bien. Mais bon, il était temps. Hein. Je veux dire, c'est des trois dernières ou quatre dernières enveloppes qui avaient des choses dedans que, ma foi, voilà. Non, ça, j'aime bien. Je peux pas, voilà, je vais pas être truc, j'aime bien. Donc, j'attends demain. J'attends demain, voilà. Mais voilà, demain, c'est une petite enveloppe comme ça. C'est vrai que je pense quand même qu'ils auraient pu faire style la dernière, un truc qui fasse. Waouh, voilà. Même pour leur faire de la pub. Mais en fait, voilà. Voilà, voilà. Bah écoutez, on attend demain pour voir ce qu'il y a demain. Voilà. Mais j'aime bien quand même, hein. Je vais pas, attention, je suis pas en train de dire non là, si depuis le début dans le calendrier c'était que des choses comme là, comme hier et avant-hier, tout ça, ça aurait été très bien, hein. Donc disons le tout réuni, demain je vous mettrai tout, j'enlève tout ce qu'il y a dans les enveloppes et comme ça vous verrez tout l'ensemble de ce qu'il y avait dans le calendrier, voilà. Après, voilà, je dis et je le répète parce que, bon, c'est pas gentil pour 4 ans scrap. peut-être que une fois que tout sera mis là, j'en aurai quand même pour mon argent puisque chez 4 ans scrap, ce que je vous dis, c'est pas Action hein, ni AliExpress. Hein, les prix, c'est pas les mêmes. Donc, forcément, voilà. C'est ça, notre problème, c'est qu'on est trop habitué à aller dans des endroits, oui, comme Action, Nose, Ali. Donc, c'est sûr qu'après, quand on va dans des petites boutiques comme ça, bah, c'est sûr, hein, on grince toujours un petit peu hein, les dents parce qu'on se dit, ah, c'est cher, c'est cher. Mais en fait, c'est parce qu'ailleurs, c'est pas cher. Voilà, mais voilà, non, je suis contente, franchement, là, j'aime bien les perles comme ça, là, en plus, j'adore, j'en ai plein, ces derniers temps, j'en utilise pas tant que ça, j'utilise beaucoup plus les demi-strass, hein. Parce qu'au début, j'utilisais beaucoup les demi-perles, c'est vrai que là, à arriver un moment, je sais pas, ça a tourné vers les strass, mais ça, je vais le garder là, sous le coude et je suis sûre que je vais les utiliser dans pas longtemps. J'aime beaucoup. En plus, il y en a des toutes petites. Et comme moi, j'aime bien quand c'est très fin, c'est l'idéal. Voilà. Bon, allez, j'arrête. Je vous dis donc à demain pour notre dernière vidéo calendrier de l'Avent de 4 ans scrap. Voilà. Et bah, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis... je vais peut-être agrandir, hein. Parce qu'en fait, c'est tellement petit que ça se voyait même pas. Si là, hop, voilà. Voilà. Allez, je reviens. Donc, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas mon petit pouce en l'air, mon petit commentaire. Et je vous dis à demain. Bisous, bisous.